Quand on le voit, il nous capte, il nous aimante. Le verbe aimanter, j'aime l'aimant. L'aimant ou l'ayat. Qu'est-ce qu'il dit l'ayat? Il attire. Lorsque nous connons tout le monde, l'ayat. Le CV, je dois attirer la personne qui va le lire. Mais c'est ça le secret. On va imaginer. Nous sommes tous une même classe. Et nous postulons pour la même école. C'est pas moi, Raja ou la Ayman, Hadoulidat, Maïna Falkesi. Quand on a vu Ayman qui est bien le CV, c'est que Ayman a été le CV, ou quand on a vu Ayman, on a dit ça, c'est Zoubida, Zoubida, c'est que tu n'as pas. Ou quand on a vu Latine, on a vu le CV, c'est que nous avons vu le CV, 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 nous avons vu علاش تخسرنا حنا؟ اش كيديروا المدرسة؟ كيحيدوا 30 كيحيدوهم كيلوحوهم علاش؟ لأن سو سيفي لا نو بارل دو بيرسون فينالمون. Il faut que vous serez comme vos empreintes. Vous savez, vous avez des choses en vous qu'aucun autre humain n'a. Oui, vous êtes des êtres unis. Je le dis, je le répète, chacun de vous est une merveille. Il n'y a jamais eu quelqu'un comme vous. Il n'y a personne aujourd'hui comme vous. Il n'y aura jamais quelqu'un comme vous. Il faut. Ouais, tu fais un match pour quoi, Lia? Tu fais un match pour quoi, Lia? Aqloum ziyana wlida ziyala hada hadra. Ou tu prouha. Tu prouha. Lian le mouskil ziyana jna oua. Le problème que nous avons aujourd'hui, que vous avez, Ntoumaya, le spectacle. Vous voyez, vous applaudissez et point à la ligne. Moi, je voudrais que vous appreniez. Je voudrais que ce que je vais aujourd'hui vous dire, qu'en sortant d'ici, vous l'appliquiez. C'est facile. Je vais prendre comment on le fait. Je vais vous dire comment le faire. Mais la première des choses, c'est qu'il faut avoir un petit cahier. Un petit cahier. De 24 pages. Ou un petit carnet. Et je note. Qu'est-ce qui me distingue? Est-ce que nous sommes ici? Oumaïma. Est-ce que nous sommes ici? Oumaïma. Anna Oumaïma Mellouk. On t'y a Houda, achno le farq bin Oumaïma ou Houda. Qu'est-ce qui me distingue, moi, Oumaïma, des autres? Voilà. Faites l'inventaire de vos qualités. Demandez autour de vous. Comment commencer? Demandez autour de vous, les amis, la famille. Dites-leur, c'est l'un de baba, comme c'est l'un de maman. Quand on a quelqu'un qui a comme halon, vous dites à maman, afak ana, achno qui farqni ala khouti ou khouatati. Et notez. Dites-vous la même chose avec votre papa, la même chose avec vos enseignants. عندكم 14 الاستاذ سولوهم ب 14 كل واحد قول له استاذ عفاك اشنو هما لي كاليتي ديالي عطيني غير جوج باش تسهلوا لهم المأمورية عطيني جوج لي كاليتي وجوج ديال لي ديفي وديروا دي تابلو ميتي فوالا مي كاليتي فوالا مي ديفو ميتي دون لا في سو كو فوز ايمي. Maintenant, Anna, j'adore cuisiner, supposons, ce qui est d'ailleurs vrai. Moi, j'adore cuisiner. Je le mettrai dans mon CV. Moi, j'adore m'occuper de mes enfants. J'adore, c'est un immense bonheur pour moi de m'occuper de mes enfants. Je le mettrai dans mon CV d'homme marocain. Vous allez me dire, oh monsieur, mais ça ne va pas, ça vous apportera quoi? Mais si, ça m'apportera énormément. Moi, l'école de mes enfants a été pour moi la meilleure école au monde. Je lis beaucoup, je suis un malade de lecture. Mais ce que mes enfants m'ont appris,
dépasse mille fois ce que j'ai lu dans les livres. Qu'est-ce que les enfants apprennent? Ils apprennent la patience. Ils apprennent l'amour. Ils apprennent la qualité de l'écoute. Ils apprennent à accepter en soi la vulnérabilité, la fragilité. Ils apprennent à être tendres. Ça, je le mettrai dans mon CV. Donc faites la même chose. Essayez de vous dire, moi, qu'est-ce qui me distingue des autres? Et notez-le, pendant 3-4 mois, vous allez avoir un extraordinaire document que vous allez toute votre vie utiliser. Donc un CV, ce n'est pas une lettre de motivation. Restons dans la lettre de motivation, je parlerai du CV tout à l'heure. La lettre de motivation, vous ne pouvez pas la rédiger en copiant des modèles. Il faut qu'elle soit véritablement personnelle. Et il faut qu'elle soit votre ambassadeur. L'itéraha, c'est cool, cette fille, ce garçon, est particulier, est particulier. Mais comment vais-je être particulier? Comment vais-je être particulière? Ben, il faut que je parle de moi, que je dise ce qui me distingue, ce qui me différencie des autres. Et ce qui me différencie des autres, je peux le défendre passionnément. Pourquoi? Car ça vient de moi. Je ne l'ai pas emprunté à autrui. D'accord? Mais vous voyez bien qu'il y a une dimension de vérité, une dimension d'authenticité, une dimension de spontanéité. Pour faire les deux motivations à un CV, il faut parler de soi-même et dire la vérité sur soi. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On va écrire et noter sur un cahier nos qualités et nos défauts. Mais ça ne suffit pas. Il faut être aussi un bon stratège. Vous savez, la stratégie, on n'a pas besoin de faire HEC ou Polytechnique ou Harvard pour l'apprendre. Chauffourez, babakoum ou mamakoum, tout le. Ce sont de magnifiques stratèges à tous les niveaux. Au niveau financier, au niveau psychologique, au niveau humain, au niveau de l'éducation, regardez les faits et vous allez apprendre l'essentiel de la stratégie. Alors la stratégie qui وكيفاش كتحط ديك الماكله ولمن كتحط وفين كتكال وشنو يدار قبل وشنو يدار من بعد. لا استراتيجي راه ما كايناش غير في الكتوبه ولا كتقرا، راه كاينه في الحياه. لي ليفر نوز ابرين لا سانتيز دي زيكسبيرونس دو لومانيتي. مي سي فو سافي ريغاردي اوتور دو فو، فو الي كومبران ليسانسييل دو لا استراتيجي. Mais quand vous marchez avec vos parents pour acheter des choses, ou là vous-même, d'abord, vous avez un téléphone. Mais quand vous achetez le téléphone, que vous comparez d'abord, que vous allez vous informer sur Samsung, puis sur, excusez-moi de nommer des marques, ou sur une autre marque, on ne va pas se casser la tête. Dans les Samsung, vous allez vous informer sur le S. Corrigez-moi, je ne suis pas très connaisseur. Le S2, le S3, le S machin truc, etc. S'informer sérieusement sur l'établissement cible. Un abri de Nkrafoua. La première démarche pour faire la lettre de motivation et le CV, c'est d'aller connaître l'école. Parfaitement. Parfaitement. Ou d'autres aussi. Quand je ne sais pas, je prends mon téléphone et je cherche. Vous avez aujourd'hui sur vos téléphones un trésor d'informations. Moukin Tloul Aï Madrasa, n'importe quelle école, voir son historique, voir son positionnement mondial,
voir ce qui la distingue par rapport aux autres écoles, voir quelles sont les spécialités qu'elle a, quels sont les grands enseignants qui font sa réputation mondiale, voir même les livres, les articles qu'ils ont lus, voir le nombre d'élèves qu'elle forme et par la suite où ils travaillent. Tout ça, moi, je vais le noter. Car quand je vais aller par la suite, c'est à cela que sert le CV, la lettre de motivation. Ça a préparé mon entretien. Quand je vais passer l'entretien, on me dira, monsieur, pourquoi voulez-vous faire cette école? Mademoiselle, pourquoi avez-vous choisi cette école? Je ne vais pas vous leur dire, oui, parce que c'est une très bonne école. Mais toutes les écoles sont très bonnes. Vous allez leur dire, oui, c'est une école réputée. Mais il y a des milliers d'écoles réputées. Vous ne vous distinguez pas. C'est une réponse basique qui ne vous permet pas, vous, de vous donner l'occasion de vous distinguer par rapport aux autres. Mais quand vous leur dites, oui, c'est une école qui m'intéresse, car parmi votre corps enseignant, il y a X qui a écrit dans tel domaine, tel et tel livre et tel article, et le champ dans lequel il écrit m'intéresse passionnément. Croyez-moi, vous avez déjà éliminé beaucoup de candidats en allant dans une zone d'information à laquelle ne pensent pas les autres. Mais ça, il faut le faire. Comment le faire? Simplement en prenant votre téléphone ou votre PC et en saisissant une requête sur l'école et en lisant, puis en notant qu'est-ce qui distingue l'école. Donc, dès aujourd'hui, ce soir, on va commencer à préparer nos entretiens. On ne va pas attendre. Est-ce que Dieu nous tourne d'abord, il faut qu'on ait dit le souhait. Un deux autres pas. Je le souhait, le mal, souhait, physique, ça va, et bien, Allah qui donne le souhait. Nous sommes le seul pays au monde qui fait des cours particuliers de l'Ifilsab. C'est vrai, la lettre de motivation, mais il faut le souhait. Mais mon king, il faut bien faire un effort personnel. C'est une obligation. Comment vais-je le faire? Ben, il faut tenir ce cahier duquel je vous parle. Il faut donc, dès ce soir, commencer à chercher, à mettre des fiches par école. Toute l'école qui m'intéresse, je vais les ficher en allant saisir les informations. Donc, il faut d'abord être bien informé sur l'établissement cible. Il faut noter ses spécificités, les éléments de son rayonnement, ce que j'ai expliqué, les départements qu'il a, que les autres n'ont pas. Vous savez, il y a des classements. Par exemple, vous connaissez HEC Paris? Ça vous dit quelque chose? La deuxième école en France, c'est l'école de commerce. Comment s'appelle-t-elle? L'ESSEC. La troisième école? L'ESCP Europe. La quatrième? Le M Lyon. La cinquième? Là, je sais, c'est la première et de loin la première. Maintenant, je vais poser une deuxième question. Dans les cinq HEC, ESSEC, le ECP, le MLIA et l'EDEC, quelle est celle qui a le meilleur département de finances au monde? HEC. L'EDEC, la cinquième, la cinquième, est celle qui a le meilleur département de finance, le meilleur master de finance au monde. Un homme qui dit de la finance, comment pourrais-je connaître cette information? Il m'a dit, je vais faire des recherches. M'chit le marketing de luxe, par exemple. C'est le M-Lian. Ce n'est pas la première. C'est la quatrième. Mais je veux faire du commerce international. Moi, je suis brillant, je fais les prépas, par exemple, et je veux faire commerce international. L'ESSEC est la meilleure au monde. Ces informations, je ne peux pas les connaître si je ne fais pas les recherches. Alors, Rikendel la requête ESSEC, c'est normal. Je règle l'ESSEC.
باش يبيعوا pour vendre l'école. Ils vont me montrer ce qu'ils ont de meilleur. Donc je le master commerce international, je leur ai sur la première page de leur site. Et je note, je dis essai meilleur master au monde commerce international. Même chose pour les DEC, etc. C'est, il faut savoir ce qui distingue une école. Car c'est comme ça que moi, je vais me défendre lors de l'entretien qu'ils feront avec moi. Je vais leur montrer que moi, je suis quelqu'un de très rigoureux, d'organisé. Et quand j'ai un projet, celui d'intégrer l'école, je prépare. Pourquoi je vais leur montrer cela? Parce que c'est ce qu'ils veulent voir. C'est ça, être stratège. Je vais, pendant l'entretien, leur donner à voir ce que eux attendent de moi. Le bon candidat, la bonne candidate, ne passe pas un entretien. Il fait passer au jury l'entretien. Le bon candidat, la bonne candidate, mène l'entretien et ne se fait pas mener lors de l'entretien. Et vous avez le pouvoir de le faire. Qu'est-ce que vous, jeunes Marocains, jeunes Marocaines, vous faites lors des entretiens et de l'oral? Non. L'entretien, c'est un moment de vente. C'est un moment de marketing de soi. Moi, je me vends pour qu'ils me donnent une place dans les 400 disponibles. Il faut donc que je puisse mettre en valeur des qualités que les autres n'ont pas. Voilà le premier calcul stratégique. Le deuxième calcul, c'est que c'est à moi de mener l'entretien. Comment vais-je le mener? Quelle kelma, elle est bien préparée. بالعاني الا قلت شي كلمه كنديرها وسط الجمله بالعاني علاش حيت عندي الجواب ليها كوم سا بالعاني غادي نقول له شي كلمه على شي ايفينمون باغ اكزومبل اكسبري pour l'obliger par la suite à me poser une question. Pourquoi? Parce que moi j'ai préparé la fiche pour répondre à la question. C'est ce que j'appelle mener l'entretien. Donc faites attention. Je connais le jeune Marocain, la jeune Marocaine. Quel est le CV ou la lettre de motivation? Le lendemain, quand il y a un examen ou l'entretien, tu me dis, non, je n'ai pas bien, mais je n'ai pas bien. Non, je n'ai pas bien. Tu as juste rêvé et tu te dis sur la race. Mais quand j'ai bien, quand j'ai eu l'entretien, c'est toujours. Ou quand tu écris toutes les mots, quand tu écris, le CV et la lettre de motivation, c'est un travail d'orfèvre. D'aïbi. Et il y a quelque chose. Je voudrais que vous compreniez ça. C'est ça, agir en stratège, dans un CV et dans une lettre de motivation. C'est ne rien écrire. Ne rien écrire et ne soit au préalable finement, méticuleusement préparé sous forme de fiche. Ne dites jamais. Ne répondez jamais spontanément. Bien sûr, je vous parle du CV de la lettre de motivation, mais ils ne sont que des moyens pour passer un entretien. Ils servent à quoi? Ils servent à m'octroyer la possibilité de gagner une place dans un entretien. Et il faut qu'ils soient des phases transitoires qui me permettent, dans une construction stratégique, d'arriver à un but final. Le but final, c'est de les obliger, eux, à jouer une partie que j'ai moi-même
défini. Et j'ai imposé moi-même les règles de jeu. Et c'est moi-même qui vais tirer les rênes. Les rênes, ou alors, parce qu'on sait où le haut. Les rênes. C'est moi qui vais orienter le jeu. C'est moi qui vais orienter le cheval. Bien sûr, préparez une définition de votre personnalité. Au Maroc, on dit à quelqu'un, est-ce que tu peux me dire, c'est pas parce que c'est typiquement marocain, mais parce qu'on ne prépare pas ça. On peut jouer le jeu, hein. Je peux vous demander aujourd'hui, prendre quelqu'un parmi vous et lui dire qui tu es. Parce qu'on n'apprend pas, ça s'appelle de la réflexivité. La capacité de se prendre soi-même comme sujet ou objet de réflexion. Et ça, nous ne l'avons pas. D'ailleurs, regardez ce blague. À part ces deux filles, vous êtes venu au temps. Personne ne note. C'est juste. Oui, quelques-uns. Et il faut tout noter. Croyez-moi, moi je note tout. Quand ils me disent quelque chose que je ne connais pas, et il faut noter. Et surtout dans les conférences. Notez, cela est important. Première activité de la réflexivité, je répète la définition. C'est quoi la réflexivité? C'est la capacité à se prendre soi-même comme objet d'analyse de soi sur soi-même. Yani ana kanhallal rasi dati bi nafsi. Kangoul chkoun ana ou kankteb. Lianna had la question mouhimma. Ma chérie, la lettre de motivation, le CV, Vous savez, vous dites tous quand moi je vis, je travaille avec les jeunes tout le temps. Quand on parle à quelqu'un de ce qu'il est, de ses qualités, il me dit, vous savez, monsieur, moi je n'aime pas l'hypocrisie. Moi, les gens sont hypocrites. Moi, chaque fois que quelqu'un me dit ça, je dis, oui, vous savez, vous êtes le premier. Quand je dis définir, se définir soi-même, ce n'est pas entrer dans une stratégie d'autodéfense. Ce n'est pas en reniant vos défauts que vous allez avancer dans la vie. Reconnaissez-les. Reconnaissez-les. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que dans l'entretien, ils vont vous poser des questions sur vos défauts. Qu'est-ce que vous allez leur dire? Il y a ceux qui disent, oui, bon, moi, je suis très gentil. Je suis très très honnête. Mon principal défaut, c'est que je fais trop confiance aux gens. Ça, c'est aussi marocain. Et là, moi, je voudrais que l'on corrige ces choses-là. Non, quand je dis un défaut, un vrai, je suis menteur. Je suis paresseux. Je suis désorganisé. Attention, il y a une technique. Ça, c'est la première. La technique des défauts, quand vous allez parler des défauts dans un entretien, c'est en trois phases. Première phase, je désigne le défaut. Je dis, je suis menteur. Deuxième phase, je décris les mauvaises conséquences du défaut sur moi et sur ma relation avec les autres. Je dis, voilà, moi, je suis menteur. Je mens. Ça me valorise, certes, mais ça me crée beaucoup de problèmes parce que j'ai perdu
la confiance de mes amis à cause de cela. Je reprends, première phase, je nomme, je désigne, j'identifie le défaut. Je suis menteur. Deuxième étape, deuxième phase, je décris les conséquences de ce défaut sur moi. Et tout ça, c'est de la stratégie. Comment vous allez le comprendre? Avec la troisième phase. La troisième phase, je propose une remédiation. Je dis, voilà, j'ai compris que ce n'était pas une bonne chose. Et depuis des années, je travaille sur ça. En faisant telle et telle chose, concrètement, pour corriger ce défaut. Je ne l'ai pas définitivement corrigé. Je continue de travailler sur ça. Et je veux continuer de le faire. Donc, trois étapes. Je vais prendre un autre exemple. Je suis faible en anglais. Je sais que cela, deuxième étape, que cela va me fermer les portes de certaines écoles, de certaines spécialités. Troisième étape, je travaille depuis 2 ans pour remédier à ce problème. J'écoute une demi-heure les informations en anglais sur Euronews, chaque jour. Je lis pendant la semaine un journal et je donne son nom en anglais. Je lis pendant 2 semaines ou 3 semaines un roman en anglais. Je donne des solutions concrètes. Je ne dis pas, oui, je fais des efforts. Non, je dis, je fais telle et telle et telle chose. Je prends un troisième exemple. Par exemple, mon défaut, c'est que je suis timide. J'ai désigné le défaut. Je dis, voilà, ça me pose des problèmes. Il y a des fois où j'ai envie de dire des choses. J'ai des idées très intelligentes. J'ai un savoir dans mes... J'ai des idées à partager. J'ai des informations à donner. Mais ça me bloque et je n'arrive pas à me prononcer. Troisième étape, je dis, voilà, depuis maintenant une année, j'ai intégré une troupe de théâtre où je suis des cours de théâtre. Et je m'impose pendant la journée l'obligation de prendre la parole, ne serait-ce que 2 secondes dans une matière. Tous les jours, je m'impose cette obligation. Et grâce à ce travail concret sur moi-même, je vois que je suis en train d'évoluer, de m'améliorer. Donc, il faut que vous connaissiez pour définir vos qualités. Grâce à quoi? Grâce à ce que j'ai appelé la réflexivité. La capacité de réfléchir vous-même sur vous-même, mais honnêtement. Voilà, ne vous en faites pas les défauts. Anna, par exemple, elle dit, « J'ai 37 milliards de les défauts. » Milliards, elle dit. Voilà. ولا مازال غنكون نسيتي وحدي غير باش تكونوا متيقنين حنا المشكل il faut reconnaître l'être humain c'est normal يكون عنده دي ديفو ولكن راه خصو يعترف بهم باش يتطور سي سا سكو جو دي كومبوندا وليدات اعترفوا بهم راه او لو ديبي دو لا كونيسونس الخطوه الاولى في المعرفه هو اني نعترف بالخطا نعترف بالضعف نعترف بالمسؤولية ديالي ماشي أنني نخبي ونكذبنا نعترف بها لأن إلا اعترفت بها كنواجهها إلا بقيت كنخبيها كنكذب على راسي تنقول أنا بخير أنا زوين ما كاين حتى واحد بحال وكنعيش في الوهم واحد 10 سنين من كنفيق من الوهم فاتت فوت لا ما ماتنا جو دي وي سي نورمال قال انا زيد كنا تلاقينا معاه في الجي بي قال لي هنا راه عنده 37 مليار ديال لي ديفو il faut juste reconnaître je vous dis pas de les régler tous vous pouvez pas vous avez toute la vie vous êtes jeune mais reconnaissez soyez vrai avec vous-même soyez vrai et travaillez sur ça doucement ce que vous pouvez faire vous-même faites-le
Et faites-vous aider par les parents, par les amis, par les enseignants, par les associations. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent vous apporter une aide. Et c'est comme ça que vous allez progresser. D'accord ? Et c'est comme ça que vous allez vous distinguer par rapport aux autres. Et c'est ce que vous allez mettre aussi dans votre CV, dans votre lettre de motivation. Et c'est ce que vous allez utiliser aussi pour vous défendre le jour d'un entretien. La vie, l'essentiel dans la vie, voilà, il est fait de ce que vous vivez. Il n'est pas fait de ce que les gens vous apprennent à l'école. Quel matériel a-t-il لاحظهم ولكن كاين هاد اللي كان عطيهم امثله كاين عنده الاب ولا الام ولا جداه ولا خالته ولا عمته مراد وكيقابلهم كيساعدهم ونايض بهم وكيقابلهم وكيقوم بالواجب معاهم سي تو مانيفيك اكسبيريونس جو في ليتيليزي كاين الولد مثلا الدراري بون جو في ريفي ان بو مي برونون سيت اكزامبل. Un garçon qui aide sa mère, qui fait la vaisselle, qui fait le linge, qui prépare à manger. Ce qu'il devrait faire d'ailleurs. Ce qu'il devrait faire, c'est une très bonne chose. Ça leur donnera un apprentissage de la vie, de l'autonomie. Quand ils partiront vivre seuls ou étudier seuls, ils sauront se prendre en charge sans compter sur l'assistance des autres, etc. Ça aussi, c'est des choses desquelles vous pouvez parler. Vous avez, et qui vont vous valoriser parce que ça vous démarque. Les garçons, tous, par exemple dans les CV, quand on arrive au CV, tout le monde, tous les garçons mettent foot. Loisir, foot. PlayStation. Ou la Xbox. Et ils vont tous écrire la même chose. Mais un garçon qui écrit cuisine. Ça distingue, et je sais qu'il y en a de plus en plus. Il y a des garçons comme ça, et c'est une très bonne chose. C'est excellent. Choisissez aussi de vous distinguer par rapport à des expériences associatives, par rapport à des aspects humains. Ramadan, maintenant. Ramadan, j'ai. Oui, ma chute d'héroïne. ماشي رمضان اي وقت رمضان الماكله في الديور غير كتشال ياك وكاين العساس وكاين الكارديان وكاين الكونسيير وكاين داك السيد وداك السيد اللي كيباتوا في الزنقه تجمعوا نتوما يا غير الصحاب والصحابات ديال الدرب و اورغانيزي الفطور راه عرفتي عجبت الماكله اللي كيلوحوا العائلات في رمضان سو في ان طراي اسوسياتيف كو فوز الي ميت دون ان سي في le don du sang. Oh là là, le katarté ou ralmjas. Vous êtes en train de mettre deux, je viens de ralmjas. Je donne des exemples simples. Mais il faut qu'il y ait un travail associatif. C'est important. C'est important. Vous savez, si vous êtes là, si vous êtes là, le thème de cette année, c'est cultiver l'humain à travers l'intelligence plurielle et collective. D'abord, quel est un sentiment aujourd'hui que chacun de vous ne peut compter que sur lui-même. Et ce qu'il fait, c'est lui qui l'a réalisé. C'est faux. C'est faux. Il y a d'abord vos parents. Autour des parents, il y a la famille. Autour de la famille, il y a les amis. Et il y a le médecin qui vous a fait venir au monde. Le pédiatre qui vous a suivi. Ce pédiatre. Maintenant, vous êtes toujours légalement des enfants. Baqi kayn moul lhanout li katchrou mandou lhlib ou la lgezar dial drb ou la dak li trisel li kisebdo. Vous défendez de tout ce bon monde. Il faut que vous ayez une activité qui puisse restituer à ces gens-là un peu de ce qu'ils vous ont donné. Et c'est à ça, c'est ce qu'on appelle le travail associatif. Soit vous le faites dans les exemples que j'ai donnés, soit vous participez à une association et ce n'est pas ça qui manque. Mais il faut que vous ayez des éléments comme ça qui vont vous permettre. Bogosto. Il n'y a pas de CV ou de lettre de motivation
sans, dans le style, la façon de les écrire, la recherche intentionnelle d'un effet sur celui qui va lire. Alors, qu'est-ce que tu vois un CV ou la lettre de motivation? C'est pour que quelqu'un, d'abord, ait envie de les lire. Un, deux. Et quand il les lira, soit touché. On n'écrit pas le CV ou la lettre de motivation comme on écrit une recette de cuisine. On les écrit avec la volonté de toucher, de convaincre et de persuader. C'est pour ça que le style doit être concis. C'est quoi un style concis? Très court. Pour le moment, tous les CV, toutes les lettres de motivation au Maroc s'écrivent en français. Yac, sachez une chose, la phrase française est absolument cartésienne. Ashnou ma'na ha cartésien? Ya'ni ma katfouch sta. Alors, l'arabe, il peut dire facile, 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 facile. Acharat stora dire facile. Mais fais un mouchki. C'est la nature même de la langue. La langue française, non. Et il faut que vous soyez court, concis. Une phrase ne doit pas dépasser une ligne. Vous mettez un point, vous commencez avec un connecteur logique. Pour écrire la deuxième phrase, le connecteur logique sert à montrer le rapport logique entre les deux. C'est hyper important. Donc, style concis, argumentatif. C'est-à-dire, il faut dire pourquoi. Il faut argumenter, comme dans une démonstration. Une lettre de motivation, c'est quoi le plan dialogue? Il est simple. Vous allez comprendre qu'elle est absolument construite comme une argumentation. Je dis à une école, premier paragraphe, vous savez, moi je sais qui vous êtes. Je sais que votre école est bonne. Voilà pourquoi elle est bonne. Je démontre. Puis je fais une implication logique. Deuxième paragraphe. Je leur dis, vous êtes, étant donné que vous êtes cette école, bonne, notoire, connue, qui a telle et telle qualité et tel département. Et deuxième paragraphe, vu ce que je suis, il y a donc équivalence entre l'école et mes qualités personnelles. Donc, premier paragraphe dans une lettre de motivation, vous décrivez l'école. Vous dites pourquoi est-elle intéressante et qu'est-ce qui en elle vous attire. Premier paragraphe. Deuxième paragraphe, vous dites moi, voilà ce que je suis. Regardez bien ce que je suis. Ça coïncide avec ce que vous êtes. C'est ça le secret de la lettre de motivation. C'est une véritable démonstration. Premier paragraphe, l'école. Je démontre que je la connais et que je connais ce qui la distingue. Et je focalise l'attention sur ce qui m'intéresse en elle. Deuxième paragraphe, je dis, voilà, moi, j'ai telle et telle qualité. Et donc, ces qualités coïncident avec votre école et le département duquel j'ai parlé. Et puis, vous faites un troisième petit paragraphe, vous leur dites, voilà, je suis à votre entière disposition si vous avez envie de détailler davantage mon profil et mes qualités. C'est tout. Et vous terminez par une formule de politesse la plus simple qui soit. Mais n'oubliez pas, vous devez argumenter, argumenter pour plaire, gagner la sympathie de celui qui va vous lire. Donc, ne commettez pas d'erreur. La pire des choses à oublier, et ça, malheureusement, c'est plus de 90% de lettres et de CV. Qu'est-ce que vous voulez? Ah, les erreurs d'orthographe. Là, je tout, ça fait, là, je suis tout. Là, je ne sais pas. Il a tout le CV. Tout le monde, je ne sais pas ce que على 100 كلمة دير أنا عشرات الأخطاء إلا كتبت مليون
Statistiquement, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Ne donnez jamais un CV, jamais une lettre de motivation. La maqala ou un juge ou les lettres de motivation. C'est-toi un CV, c'est-toi une lettre de motivation. C'est-toi le minimum. Minimum, جوج ولا ثلاثة الناس اللي كتعرفوهم مزيانين في اللغة الفرنسية يقراوهم ويصحوهم عطيوه الأول يقرا ويصحح سيزي allez saisir la correction puis donner la correction à une deuxième personne elle va corriger donner sa correction à une troisième personne après envoyer votre CV et votre lettre de motivation d'accord. Mais les E qui manquent, les S qui manquent, les verbes non conjugués, les erreurs parfois sur votre nom et votre prénom, les adresses fantaisiesfatifleur.com, tout ça, on enlève dans un CV. Mettez des adresses professionnelles. Qu'est-ce qu'une adresse professionnelle? Votre prénom, votre nom, point à la ligne. C'est tout. Vous voulez ajouter un numéro 2, il n'y a pas de souci. Mais pas de Fatifleur, pas de Betty la Rose, pas de Hulk, le violent. Tout ça, c'est, ça donne sur vous une mauvaise image. N'oubliez pas, ce qu'ils veulent, eux, c'est percevoir une image. Donc, donnez, faites en sorte que votre image, effectivement, soit correcte. Namad. Si je suis en train de faire un entretien de management de commerce et je disais que mon défaut est je suis un peu nerveuse, ça va pas me dévaloriser devant les jurés. D'abord, vous n'allez pas passer d'entretien de management de commerce pour la simple raison que ça existe. Ça n'existe pas. Vous pouvez passer un entretien dans une école de commerce ou de management où vous allez dire vous êtes nerveuse. Et qu'est-ce que vous allez dire? Quelle est la technique qu'il faut suivre en trois phases sur les défauts? Donner le défaut et ses conséquences. L'école va adorer un profil comme vous. Toutes les écoles détestent les personnes arrogantes, les personnes qui croient qu'elles ont tout réalisé. Ce que n'aime pas une école, c'est la personne qui vient avec le sentiment parce qu'elle a eu un 19,5 en baccalauréat, qu'elle a tout réalisé dans la vie, qu'elle sait tout. C'est ça ce que détestent les écoles. C'est ça ce que détestent les entreprises. Et c'est ça ce que l'on déteste aussi dans la vie. Mais si vous donnez de vous l'image d'une personne qui veut tout le temps progresser, tout le temps travailler sur elle-même et tout le temps apprendre des autres, de la vie, toutes les écoles voudront de vous, toutes les entreprises voudront. Mais surtout, surtout, ne donnez pas aux autres la mauvaise image de quelqu'un qui sait tout, qui atteint la perfection, qui n'a besoin de personne, et qui n'a plus rien à apprendre dans la vie, parce que cette personne ne donnera rien. Parce que, quand tu as le word, donc, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Mais je suis nerveuse, vous suivez la méthode, c'est très bien, vous avez saisi tout ce que j'ai dit, c'est excellent, ça a servi à ça. La méthode en trois étapes, je suis nerveuse, et je sais que cela me crée des problèmes, parce que déjà, à la maison, ça finit toujours dans la tension et la violence avec mes parents et avec mon frère, ma petite sœur, et que après, je culpabilise,
que j'ai un sentiment de... J'ai une mauvaise conscience, mais vous savez, depuis que j'ai compris que ce n'était pas nécessairement un bon aspect de ma personnalité, j'ai commencé sur YouTube, par exemple, à suivre des exercices de relaxation. Et ça existe d'ailleurs, on les appelle les techniques de gestion de la colère. Ça vous permet de prendre de la distance par rapport à vous-même. Moi, j'ai été un homme extraordinairement nerveux. J'ai appris avec le temps à travailler sur ça, et je mets toujours entre moi et la colère, je mets une dizaine de phrases que je connais par cœur et qui me sauvent. Il y a un grand auteur que j'admire, qui s'appelle Spinoza, qui m'aide beaucoup. Ayez votre Spinoza, vous. Ayez votre Spinoza. Il y a une phrase de Spinoza qui me sauve toujours. Toujours. D'accord ? Et qui... Bon, moi, elle me parle beaucoup, mais je ne sais pas si elle va vous parler. Et... C'est « Agis bien et tiens-toi en joie. » Agis bien. Il y a une idée d'action. Et sûrement après, est-ce que nous allons lire la colère ? Ça dépend de moi, ça ne dépend pas de l'autre. Quand on sait qu'il faut tourner au village, ou qu'il est d'arbre, ou qu'il est d'arbre, est-ce que ma responsabilité ? Je peux contrôler ça. Ça dépend de moi. Mais je ne peux pas contrôler l'autre. Non, ça je ne peux pas. La morale, l'akhlaq, ce n'est pas l'affaire du voisin. La morale, ce n'est pas l'affaire du voisin. Mais ça n'a pas de faire des choses. Et on a dit, moi, le Maghreb, j'ai qu'à faire des choses. Maintenant, d'accord ? Il faut que je me dise la colère. La colère dépend de moi. Il faut que je trouve le moyen. Moi-même, seul, en me faisant aider de la contrôler. Alors, si je me disais, par exemple, les insultes, je ne sais pas. Ça, c'est une première technique. Quelles plusieurs techniques ? Donc, mettez entre vous et la colère des barrages. Les gens qui vous ont tous l'autre de la phase, c'est très bien. Les gens qui vous ont dit, c'est que vous avez dit, c'est que ou quand tu sais ce qu'est la colère, ce n'est la colère ou la nervosité. Quand je suis en train de me faire, je ne suis pas en train de me faire. Quand je suis en train de me faire, 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 ce n'est pas le hal. Ou alors, كما تنقولوا في ثقافتنا وزوين هذاك الشيء راه غوند فالور ولو انا صبر في حقي لان الا صبرت في حقي الضرر كيتحبس عندي انا ولا تقلقت وجبتنا صداع كيولي الضرر مس واحد جوج ولا ثلاثه ولا اربعه الناس دونك ابروني كوم سا جيري لي شوز انتيليجامون اون ستراتيج et vous allez vous défendre le jour de l'entretien et vous allez très bien pouvoir aussi valoriser vos qualités et votre personnalité. Oui, allez-y. Je voulais juste parler sur Freud, qui nous a dit que dans ce livre, la psychanalyse, avec des mots, un homme peut rendre son semblable heureux ou le pousser au désespoir. Bien sûr, ma chérie. Et c'est une magnifique phrase, effectivement. Bien sûr, bien sûr. Dans l'enseignement, vous le savez, le professeur qui va vous dire « Oh, t'as 4 heures. »« Si tu vas, t'as 4 heures. » Et celui qui trouvera toujours le bon mot, le mot valorisant, le mot encourageant, va vous inciter toujours, même si vous n'êtes
même si vous n'êtes pas peut-être bon à vouloir avancer, à vouloir progresser, il faut augmenter en vous-même la possibilité du positif. Oui, et pour revenir à l'aide de motivation au CV, il faut qu'il n'y ait que du positif dans votre lettre de motivation et dans votre CV. Donc, si par exemple ce que je vous dis moi ne vous touche pas, regardez-le et faites ce qu'il vous dit. L'idée, aidez-vous du guide jévéiste. C'est quoi le guide jévéiste? انتم عاوتاني قبيله كنا كنهضروا على الامكانيات اللي عندكم دابا باش توصلوا للمعلوم دابا هاد لي جيفو راه عندهم لو سيت ديالو لو سيت ديالهم دخلوا له غادي تستغرب الحوايج اللي كاينين فيه وما كتستعملوهمش اشنو هو مثلا راه فيه لو كومون اكريغ لو سي في كومون اكريغ لا ليت دو موتيفاسيون وفيه لي زيتاب شاك ايتاب وفيه دي موديل. Donc, allez lire le guide du VE et vous allez voir que ça vous permettra effectivement d'avoir un modèle. Maintenant, le modèle, vous allez juste le lire. Après, vous allez l'oublier. N'est-ce pas? Parce que c'est ça notre accord de départ. Chacun de nous doit faire son propre CV. Question. Soukran, soukran, soukran. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples sur les erreurs qu'on peut commettre pendant un entretien? Oui. La première erreur que vous pouvez commettre dans un entretien, vous ne la commettez jamais dans l'entretien, vous la commettez bien avant l'entretien. Quelles sont ces erreurs? C'est de ne pas savoir quelles sont les erreurs. ياك هالأولى أنا غنمشي لانونتروتيان راه اليوم إلا مشيتو لجوجل مشيتو ليوتيوب vous allez trouver des centaines voire de milliers de vidéos d'entretien avec moi j'en connais l'analyse كونكريت دي زيرو يعني كيدير لكم الفيديو وبالعاده كيديروا انسان والواحد كيخطا ابري كيدير لكم لا فيديو افيك لي كوريكسيون انا عباد الله عندي هاد لا بوسيبيتي علاش بلا غادي نمشي نشوف داكشي نشوفو كامل ونصحو داكور دونك لو بروميي كونساي vous me demandez quelle est la méthode à suivre pour ne pas commettre les erreurs. Ne les commettez pas avant, ne commettez pas la pire des erreurs. C'est quoi? C'est de ne pas profiter des ressources que vous avez aujourd'hui pour savoir que ce qu'il faut faire. Maintenant, rapide. On a parlé de quelques erreurs. C'est la première, c'est d'être comme tout le monde. D'être monsieur tout le monde, madame tout le monde. Ça marchera. Deux, d'aller à un entretien comme si vous alliez voir un film avec les copains. C'est-à-dire, les entretiens ne s'improvisent pas, ça se prépare. Ça se prépare très sérieusement, pendant des jours et des jours. Ça ne me dérange pas. Aucune monnaie, c'est le. Non, mais c'est pas grave. Distrait les autres. Non, c'est pas grave. Laissez-les. Non, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Il a raté, j'ai maillé, j'ai de maillé. Tu veux travailler avec moi? Viens, on va leur expliquer comment on doit passer des entretiens. Viens, mon chef. Ah, tu préfères rester chez papa. D'accord. Donc, deuxième erreur, comme j'ai dit, c'est de ne pas les préparer. Et ça, je sais que vous commettez ces erreurs. Ça, il faut le savoir. Là, c'est très sérieux. Vous avez des entretiens dans c'est pas moi, 3 mois. Vous le savez. Vous savez, comme les dates, préparez-les au moins 1 mois avant.
جمعوا بعضياتكم مثلا تنقولوا حنا ومع من غنوجد انا ما كاين حتى واحد جمعوا لي بعضياتكم نتوما في قسم مثلا عارفين حنا سته غندوزو واحد لو كونكور فيها لونتروتيان نديروا دي سيمولاسيون سكون ابل دي سيمولاسيون اجوردي عندكم في لي تيليفون ديالكم عندكم دي كاميرا تري سوفيستيكي نهار كامل نتوما كتسيلتو مع اليوتيوب صوروا لي زونتروتيان دو غادي تفرقوا بعضياتكم نتوما سته واحد ثلاثه كيديروا الجوري ولا اربعه وواحد كيدوز كوم كانديدا وانتم كديروا له لي رومارك على لي زيرور وكل مره كتصحوه وكتشوفوا لي فيديو وكتقول هنا خلا اخطات ها شنو خصني ندير ها شنو خصني ما نديرش ثالث خطا راني قلته قبيله لا لي غور ان با كومين سي دو نو با تري بيان كونيت ليكول سي ان باردون ان باردون L'école, je ne sais pas moi, il n'a pas de département finance. Moi, je peux faire la recherche et je vais leur dire, par exemple, je vais faire le NCG, suppose, au Maroc, et je vais leur dire, oui, moi j'adore la finance. Cette fille, je postule pour le NCG, car ça m'intéresse. Là, vous êtes foutus. Celui qui veut faire finance s'oriente vers l'ISCAM, c'est pas vers le NCG. Donc, allez vous informer. Très très bien sur l'école, cette particularité. Et mettez en phase ce que vous êtes, ce que vous voulez faire, avec ce que l'école propose. Quatrième erreur à ne pas commettre. La meilleure chose d'avancer, c'est de nous dire la vérité en face et de l'accepter. Non, khatirin fil fahamat. Et là, je ne sais pas. Et là, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et là, je ne sais pas. Ne mentez pas. Alors, il y a des choses. Dans les entretiens qui sont au stade, ou souvent un psychologue ou là, quelqu'un. Du département de la gestion des ressources humaines. Hadi kiya halftu. Hadi ibnani. Qaytu hiya hadi li kaykdeb li kaygoul el haqq ila akhir. Donc c'est pas la peine bhal ghanmchi ndarb ndir box ma champion du monde. Ghay farchkhni. Qalouga. Donc il vaut mieux dire la vérité. Erreur suivante à ne pas commettre. C'est de ne pas savoir bien écouter. Un grand conseil que je vous donne, écoutez. Non, ça aussi c'est un défaut que nous avons. Fatakafna malheureusement, tribitna il a akhir. Mais c'est pas grave, on va le corriger. C'est quoi ce défaut? L'écoute, ma kan smaouj, ma kan smaj. Mais kiko ki tkellem maya wahed, machi kan smaj no kiqoul. Kan wajjed el jawab. Wa kayhdar tnqoul zgar hasslo fhad. عندما نقول له هادي باش يدور له هنا وحسلو. Non, écoutez l'autre, il a des choses très intéressante à dire. Erreur suivante. Quand vous répondez à quelqu'un, ne dites jamais non. Jamais. Et ça, je veux que tout le monde le note. Dites toujours oui, vous avez raison. Oui, vous avez parfaitement raison. Dans ce que vous dites, vous avez raison, car, et vous donnez un ou deux arguments. Car ce que vous dites est vrai, on le voit dans la vie. D'ailleurs, on a vu en classe avec le professeur X, on a vu que dans un pays tel, il y a la même chose. Et puis dites « mais ». Et c'est là où vous allez dire ce que vous, vous pensez. Alors, il s'agit d'un des gens qui ont dit « il y a une kul shi sahih » ou la « kul shi khata ». Non, « kul shi » qui qu'on fait « shuyat sahih » ou « shuyat khata ». C'est comme ça, c'est tout à fait. Et donc, écoutez. Très bien ce que disent les autres. Si vous n'avez pas bien saisi une question, demandez à l'autre personne, vous avez le droit qu'elle répète, qu'elle reformule. Demandez-le juste poliment. Dites s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez répéter votre question? Il a ma vraie j'ai le droit de dire, monsieur ou madame, est-ce que vous pouvez reformuler votre question? Les entretiens. العقدة ديالنا شنو هي هو نحس بان الاخر ما فهمنيش كنقول ناري انا زرق دونك اش كندير
Ça, c'est de la stratégie. Apprenez à faire ça. C'est important. Mais si vous avez dit en face de moi, Talib ou le Taliban, est-ce que vous pouvez reformuler votre question? Donc, est-ce qu'on dit qu'on a dit le soual ou qu'on a dit chez Malouma ou la juge? اللي راه تساعدو باش يجاوب باش انا نحس في الاخر بان جيتي كلير دونك اتيليزي سي استراتيجي لا ne les perdez pas ou bien même quand j'ai bien écouté j'ai bien compris je vais lui demander de reformuler pourquoi ben, ça me donne du temps pour réfléchir même quand j'ai très bien compris j'ai même la réponse mais je peux encore améliorer la réponse. Je vais lui dire le plus gentiment possible, le plus innocemment possible, avec mon visage d'ange. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, reformuler votre question? Moi, j'ai déjà la réponse. Mais le temps qu'il la reformule, qu'il m'explique, moi, je développe la réponse. Comme ça, je pourrai répondre de manière pertinente et gagner en termes d'efficacité et d'efficience dans la réponse. Donc, écoutez. Erreur suivante. Ne répondez jamais quand vous le faites tout le temps. Je dis, est-ce que vous connaissez ce que c'est, quelles sont les causes de la révolution bolchevique? Vous savez, la révolution bolchevique, c'est la révolution d'octobre 1917 en Russie. Comment vous répondez? Vous répondez, le tsar. L'Église, c'est pas des réponses, c'est pas une réponse. Qu'est-ce qu'une réponse? C'est de reformuler la question. Reformuler la question, c'est dire votre question porte sur les causes de la révolution bolchevique. En effet, dans ce cas, nous pouvons avancer trois causes. Il faut reformuler la question pour commencer votre réponse avec une phrase correcte et cohérente. Ça donne de vous quelqu'un qui structure sa réponse. Erreur suivante. N'allez jamais dans un entretien sans noter. Prenez toujours de quoi noter. Un calepin, un carnet. Et quand eux vous expliquent une chose, même si vous connaissez les réponses, faites en sorte de noter ses réponses. Notez-les. Vous allez leur montrer que vous êtes quelqu'un de curieux, que vous aimez apprendre, que vous aimez découvrir. D'accord? Voilà les principales questions. Sur le plan du langage. Maintenant, je voudrais répondre sur le plan comportemental, sur le plan de la gestuelle, sur le plan de la communication. C'est essentiel. Quand vous parlez, tout votre corps parle. Quand vous allez dans des entretiens, pardon, excusez. Vous savez, quand vous présentez un entretien, ayez toujours les pieds à plat. Ça vous donne le sentiment, et ne les croisez pas. Ça, vous allez concentrer toute la tension au niveau des genoux. D'ailleurs, ce qui arrive souvent, c'est quand vous allez vous mettre debout pour sortir, vous ne pourrez pas marcher. La tension ayant été concentrée, le muscle n'a pas été irrigué, n'a pas reçu suffisamment d'oxygène, et il va être, pour un certain moment, rigide. Donc, ayez toujours les pieds à même le sol. Ça vous donne de la stabilité, de la confiance. Les mains, il ne faut pas que vos mains touchent votre visage.
ne les laissez pas. Les anna rebanolitique. Le rebdeidira, le rebdeidira, le rebdeidira, le rebdeidira. Ne les laissez pas aller vers le visage. Quelle est la meilleure façon de ne pas les laisser aller vers le visage pour montrer l'éthique? Il y a deux choses qu'ils ne doivent pas faire. Vos mains. Ne laissez pas s'orienter vers le visage et ne les laissez pas se rencontrer. لأنها تبدأ تديروها ولا غتبدا تديرها ياك ها ولا غتبدا تديرها شوية تبدا تاكل فيهم. Quelle est la solution? Il ne faut pas qu'ils se croisent et il ne faut pas qu'ils aillent au niveau du visage pour ne pas montrer ce qu'on appelle les tics. La meilleure façon, c'est de les utiliser pour parler, pour exprimer, pour ouvrir la réflexion, l'échange avec l'autre. Mais bien sûr, tu me dis tout de suite. Quand vous dites oui, cette idée, effectivement, ça vient du cœur, je montre le cœur. Cela va vers les autres, je fais le geste vers les autres. Namabit. Tout ce qui est gestuel, et là, par exemple, qui est en train de mentir sur les choses, des fois, il décrase quelque chose. Mais bien sûr, c'est moins grave que l'idée de la personne. Ou là, ou là, comme on dit comme ça, les filles, attention à vos cheveux. Attention à vos cheveux. Je vous le dis. Donc ça aussi, il faut faire. C'est des tics nerveux. Non, mais monsieur, il y a un tic. Monsieur, tout à l'heure, vous avez dit que si on était dans un entretien, par exemple, on n'était pas censé s'asseoir et attendre les questions-réponses. On est censé faire quoi à part ça? Par exemple, parler de quoi? Ben, ne vous en faites pas. Vous entrez dans une salle, vous dites bonjour. Dès que vous vous installez, ils vont vous poser des questions. Mais c'est-à-dire qu'on n'a pas les questions alors? Non, la première. Ah d'accord, et après on continue tout seul. Parce que la suite de tous les concours et de tous les entretiens que vous allez passer dans votre vie, c'est comme ça. Vous allez commencer, c'est par exemple eux, ce sont des élèves de la ECS, c'est la prépa économique et commerciale, voie scientifique du groupe Elmilia. Et c'est des élèves qui vont passer dans 2 ans les concours des très grandes écoles de commerce françaises, HEC, l'ESSEC, etc. Quand ils passent les entretiens, ils disent bonjour et parlent pendant 30 minutes. Après, les autres leur posent des questions. On les laisse parler après l'entretien quand même. Ce que j'ai dit tout à l'heure, et là je voudrais rectifier, je n'ai pas dit qu'il faut commencer et poser des questions. Non, j'ai dit ne soyez pas passifs. Ne répondez pas comme dans un interrogatoire. Il faudrait être spontané, mais aussi il faut prendre de l'initiative, il faut être une force de proposition, il faut orienter l'échange et l'entretien soi-même, exprimer lors de 2-3 mots dans votre réponse afin qu'il vous pose la question suivante sur l'un de ces mots-là. C'est ça la stratégie de la construction de l'entretien. Quand je dis il ne faut pas être passif, il ne faut pas être dans un jeu question-réponse. Il faut que vous sachiez que c'est à vous de mener l'entretien. Aujourd'hui, vous savez, moi, j'ai un modèle, un exemple dans la vie que je suis et auquel je voudrais ressembler, c'est Gandhi, par exemple. Gandhi,
Bah, quand j'ai dit ça, moi j'ai préparé une fiche de 10 pages, cher Gandhi. Pourquoi? Parce que je sais qu'ils vont me poser une question. Je le dis exprès. Je tends une perche, comme on dit. Je les oblige, je les programme, je les manipule pour qu'ils me posent une question sur Andy. Pourquoi je veux qu'ils me posent une question sur Andy? Parce que j'ai déjà préparé et parce que effectivement, en bas, dans mon CV ou ma lettre de motivation, je leur ai dit que moi j'ai 3 valeurs. La non-violence. La compassion. D'accord? Et le sacrifice pour la justice. Pourquoi j'introduis Gandhi? Parce qu'il incarne ces 3 valeurs. Et donc tout mon CV, toute ma lettre de motivation, tout mon profil est cohérent. Il est construit dans sa totalité autour des mêmes valeurs. Quand je dis que l'entretien est stratégique, c'est dans ce sens-là. De A à Z, je dis la même chose. Avec des mots, des symboles, des idées, des citations différentes. Et quand eux me posent des questions, je les ramène toujours à des choses, à des réponses que j'ai préparées. Non, ma petite. Oui, c'est un des entretiens que je passe sans sur des choses très particulières. Quand les entretiens que je leur passe, c'est des entretiens sur un très 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 haut niveau de culture générale et un très 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 haut niveau de philosophie. Et je sais qu'ils n'aiment pas du tout passer leurs entretiens avec moi. Parce que je leur complique trop la vie, mais tous ceux à qui je complique la vie en les préparant se débrouillent magnifiquement ailleurs. Magnifiquement. Dans les très très grandes écoles. J'ai dans mon parcours fait réussir de façon magnifique et admirable. C'est pas, le mérite ne me revient pas à moi. De magnifiques élèves, essentiellement des filles. J'ai eu de magnifiques filles en prépa à Elbiliassup qui ont intégré HEC, l'ESSEC. Il y a certains qui ont eu des notes exceptionnelles dans les oraux de l'école, l'une des écoles les plus difficiles au monde, à savoir HEC. Oui, je sais, je connais ces techniques. Quelqu'un qui les connaît, je l'apprécie. Parce qu'il a fait l'effort de les connaître. Quelqu'un qui, en plus de les connaître, est vrai et sincère, passionné, je l'apprécie beaucoup plus. Quelqu'un qui lit, qui a de la culture générale, je l'aime beaucoup plus. Quelqu'un qui a absorbé la culture générale et qui peut la critiquer, je l'embrasse. Moi, je voudrais, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, vous dire une chose. Le secret de la réussite pour vous. Alors, il y a des choses qui sont là. Mais je suis là. 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 Je Vous tout dire ingénierie, médecine, vous tout dire, je sais pas moi, droit, psychologie, les kekratin. Quand je dis les kekratin, j'ai kekratin drasa. Et quand je dis les kekratin, les kekratin, c'est même. C'est un stage. Alors moi, je me suis dit, je suis un kekratin. Ou la clé, d'abord, vous êtes un kekratin. Qui est ouage, qui est acceptable, qui est kekratin. Ou d'abord, qu'ils brillent le crâne. Maintenant, ils se sont retrouvés dedans. Le secret abouti, c'est ça. Alors, après, quand vous allez dans une école, et après, quand vous allez sortir de l'école pour aller en entreprise,
راه تنفعكم راه ما ديروا لا مات لا فيزيك لا شيمي لا انجينيري لا تاع لا استوار جيوغرافي لا تاع حاجه هذوك المواد اساسيه في التكوين ديالكم ولكن من بعد حتى واحد ما عندك في لونتربريز صباح كيجي المدير ديالك ولا الباترون كيقول لك هكا بنتي واحد السيري ديال المات ديريها مع سته ونجي نشوفوا واش غادي ولا لا Vous trouvez ça risible. Donc, ça n'existe pas dans une entreprise. On va vous demander d'autres compétences. Bien sûr, le maths, c'est hyper important. Est-ce qu'on peut prendre le maths? Qui prend les catégories? Est-ce qu'on a les catégories du maths? C'est moi, votre capacité à faire des abstractions. Votre capacité à modéliser des situations. Votre capacité à gérer des contradictions. Votre capacité à nombrer, à chiffrer, à avoir des fonctions, à avoir des groupes, tout ça, c'est un peu de la médecine, c'est un peu de la pharmacie, c'est un peu de l'ingénierie, c'est un peu de la loi, c'est un peu de la philosophie, c'est un peu de la cuisine. Réellement, c'est un peu de la cuisine. C'est n'importe quel chose. C'est ça ce qu'il faut. Garder des mathématiques. Même chose de la physique et de la chimie. Il faut garder le principe de modélisation. La modélisation, l'usage des mathématiques pour la physique et surtout la capacité d'imaginer. Et les filles comme Anna qui font de la PC le savent très bien. L'entreprise a besoin de cette capacité d'imaginer. Quand vous allez faire de la stratégie, vous faites de la physique. Vous imaginez un système qui marche dans une réalité virtuelle. Il n'a pas encore eu lieu. Mais dans 5 ans, vous dites, voilà, on peut aboutir à tel résultat si nous mettons en place tel et tel process. Ben, vous faites de la physique. Moi, je vous dis, apprenez à avoir ce rapport-là avec les sciences que vous étudiez, avec toutes les matières que vous étudiez. Les langues, c'est des maths, les langues. Regardez, vous prenez une phrase française par exemple. Sujet, sujet verbe complet moyen. S, V, plus C. Ben, c'est un modèle mathématique. C'est que de la modélisation. Je voudrais que vous compreniez cela. À cela, à ce que nous comprenons, ça ou les détails, ça ou les détails de chez les castrats, surtout une barbe, retenez. Les structures intelligentes de chaque matière. Et donc les structures utilisées partout. Ça vous aidera. Ça fait trop. Deuxième point sur lequel je voudrais insister. Qraou. Qraou dirou qraayat mktouba. Bhal dwa dial tabib. Katmchi al tabib kiqol lik ouldi oula binti bon ma nqasou ma ana diya ana chaf. Andi soukra. تقول لي تاخذ هذا الدواء ودير هذا الريجيم مثلا في جهادي وهادي وهادي ودير الرياضه وما تبقاش تسهر مثلا الى اخره كنتبع هذا الشيء اللي قال لي لانني خايف على صحتي ولكن المشكل ما كنخافوش على دماغي كنعيش كنقرا كنشد الباب ب 19 مواد كنمشي ندير كليه ولا مدرسه مهندسين ولا الطب وكان نجح في 15 عام ما عمري قريت كتاب يعني تكون كي بابا سي با نورمال دونك ما سكو جو دي فيت كوم ان ميدسان اليوم vous êtes malade اشنو هو لا مالادي ديالكم وما نتوما ما عندكمش الثقافه العامه هو داو ولا اشنو هو الدواء كاين واحد ولا لا احسن طبيب واحد ما عندكم لا ريجيم لا تقراو كيفاش غديروا تتقراو فرضوا كما كيدير معكم كما كيدير الطبيب غنفرض على راسي واحد مثلا 20 كتاب كل عام 20 كتاب في التالي 20 كتاب في الاقتصاد يعني العلمي فيكم يكمل في الاقتصاد الثقافه تكون عنده في الاقتصاد في الفن في العلوم الانسانيه تكون عنده في القانون سي سا لي بروفيل كي مارش هما لي بروفيل كي سون بوليفالون اي دونك ليزي ليزي راه ما عندكمش شي عذر واحد الوقت كان الناس كيقول لك ما نقدرش انا
درويش وفقير ما تجيبش تكتب وانا دابا نكون ملاهي تكتب في ديك التليفون فابور فين ما مشيت نقرا فهمتي ليزي كرويمو راه سي سا كي فو دونرا تو لي زافونتاج دو مون نعم Quand il a en face de lui quelqu'un qui les réussit, il est très heureux, très content de vous prendre. Comme ça, je vais vous remercier d'avoir été aussi aimable, aussi attentif, d'avoir contribué à la réussite de ces jeux qui sont pour vous. Je vous invite à aller sur le site, à profiter davantage de l'art de l'école. Matéros a de force, l'art de l'école. Rahat, Kaïnjouma. معلومات اللي تفيدكم استغلوه اون بليس داكشي تاعك ما كيطلبكم حتى حاجه ما كيطلبكم لا تسجلوا تقراو لا تخلصوا فلوس عاد كاين هاد الجي بي يو دايرينو حنا باش نتوما تستافدوا استافدوا علي فو سور لو سيت خذوا دوك المعلومات خذوا لي موديل ما تستغلوش بشي بحال هاد المهم باش غيديروا غادي نخدوكم بروفيتي لار ديالكم ما تضيعوش فرص راه عندكم فرص جميله والله يعاونكم والله ينجحكم ونتمنى لكم داك الشيء اللي نتوما كتمناو المستقبل زاهر ان شاء الله وافلام